Hello everyone and welcome back for a new French short story in slow and normal French. Just like the last one I posted, this lesson is divided into three parts. First, the story in slow French, then the story in normal French, and finally, 10 multiple choice questions to test yourself. On the screen, you will not have the English translation of the story and the questions, but it's on the free PDF that you can download. It was just too much to add everything on the screen. The link for the PDF is in the description in my first comment. And if you're looking for more stories, check out my three French storybooks. They are available on Amazon and on my website. That's it. Enjoy the story and I will see you at the end of the video. On visite la Tour Eiffel. Pour notre anniversaire de mariage, mon mari et moi passons une semaine à Paris. C'est un cadeau commun. On préfère voyager car on n'a pas besoin de cadeaux. Cette année, on fête nos 15 ans de mariage. On est arrivé à Paris dimanche soir. On reste dans un hôtel sur les Champs-Élysées. Notre hôtel est magnifique. Il y a un petit restaurant au rez-de-chaussée où on prend notre petit déjeuner tous les matins. C'est une belle journée à Paris. Le soleil brille et le ciel est bleu. On est impatient de visiter la Tour Eiffel. On a acheté des tickets VIP pour ne pas faire la file. On va y passer quelques heures. On décide de marcher jusqu'à la Tour Eiffel. La distance entre l'hôtel et la Tour Eiffel est de seulement 2 km. Quand on arrive à la Tour Eiffel, on ne doit pas attendre. On monte tout de suite dans l'ascenseur pour aller au sommet. La vue est incroyable. On peut voir toute la ville de Paris avec ses monuments historiques. Avec notre ticket VIP, on reçoit aussi une coupe de champagne. On boit notre coupe de champagne en admirant la vue. C'est une expérience qu'on n'oubliera jamais. Après avoir passé une heure à admirer la vue, on redescend et on prend le temps de se promener autour de la tour. Paris est vraiment une ville magnifique. Il nous reste 3 jours pour explorer la ville. Demain, on va passer la journée au musée du Louvre. Pour notre anniversaire de mariage, mon mari et moi passons une semaine à Paris. C'est un cadeau commun. On préfère voyager car on n'a pas besoin de cadeaux. Cette année, on fête nos 15 ans de mariage. On est arrivé à Paris dimanche soir. On reste dans un hôtel sur les Champs-Élysées. Notre hôtel est magnifique. Il y a un petit restaurant au rez-de-chaussée où on prend notre petit déjeuner tous les matins. C'est une belle journée à Paris. Le soleil brille et le ciel est bleu. On est impatient de visiter la Tour Eiffel. On a acheté des tickets VIP pour ne pas faire la file. On va y passer quelques heures. On décide de marcher jusqu'à la Tour Eiffel. La distance entre l'hôtel et la Tour Eiffel est de seulement 2 km. Quand on arrive à la Tour Eiffel, on ne doit pas attendre. On monte tout de suite dans l'ascenseur pour aller au sommet. La vue est incroyable. On peut voir toute la ville de Paris avec ses monuments historiques. Avec notre ticket VIP, on reçoit aussi une coupe de champagne. On boit notre coupe de champagne en admirant la vue. C'est une expérience qu'on n'oubliera jamais. Après avoir passé une heure à admirer la vue, on redescend et on prend le temps de se promener autour de la tour.
Paris est vraiment une ville magnifique. Il nous reste 3 jours pour explorer la ville. Demain, on va passer la journée au musée du Louvre. Combien de temps est-ce qu'il passe à Paris? 2 jours? 5 jours? 1 semaine? 1 mois? Pourquoi est-ce qu'ils sont à Paris? Pour des rendez-vous? Pour l'anniversaire de son mari? Pour aller voir un concert, pour leur anniversaire de mariage. Depuis combien d'années est-ce qu'ils sont mariés? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand est-ce qu'ils sont arrivés à Paris? Samedi, dimanche, lundi, mardi. Où se trouve leur hôtel? Sur les Champs-Élysées, près de la Tour Eiffel, dans une petite ruelle? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée de leur hôtel? Une salle de gym, un restaurant, une salle de réunion, un café. Comment est-ce qu'ils se rendent à la Tour Eiffel? En métro? En taxi? À pied? À vélo? Quelle est la distance entre les Champs-Élysées et la Tour Eiffel? 1 kilomètre? 2 kilomètres? 3 km, 4 km. Qu'est-ce qu'ils reçoivent avec leur ticket VIP? Une baguette, un verre de vin, une coupe de champagne, des macarons. Qu'est-ce qu'ils vont visiter demain? Les catacombes, le musée du Louvre, le château de Versailles, l'Arc de Triomphe. Please let me know how many you found in the comments. I'm sure you did very well. If you want more short stories like this one, just let me know and I will make sure to make more. Once again, check out my books on Amazon and on my website. And if you want for stories for B1, B2, you can check my second YouTube channel, French Chit Chat with Dylan, where I post videos every Friday and I speak in French only about different subjects, about daily life, culture, traveling, and everything in between. So, just let me know everything in the comments and I will see you next Wednesday for a new lesson. À mercredi prochain.